trou. Il s'est passé une chose épouvantable. Bon, alors, monsieur Lebowski, je m'appelle Lebowski. Et pas moi. Mais je suis extrêmement occupé. J'imagine que vous l'êtes aussi. Monsieur Lebowski. Que puis-je pour vous, monsieur? Monsieur, c'est son sujet, là. Un tapis qui allait très bien dans la pièce où je l'avais installé. Vous avez parlé à Brandt au téléphone, il m'a transmis. En quoi cela me concerne-t-il? J'ai fait face à tous les défis. C'est vous que ces types recherchaient. J'ai vaincu tous les adversaires. J'aurais été à ce que j'ai dit. Vous avez eu Brandt au téléphone, il m'a transmis. J'ai accompli beaucoup plus de choses que la plupart des hommes. Ah donc, vous savez qu'ils ont pissé sur votre tapis? Ai-je uriné sur votre tapis? Qu'est-ce que... Demandez si c'est vous qui êtes venu personnellement. Vous m'entendez là? Vous êtes dur d'oreille, c'est ça? Je réitère la question. Est-ce que j'ai uriné sur ce tapis? J'ai dit qu'un certain homme avait pissé sur mon tapis. Est-ce la capacité d'agir toujours? Il s'est passé une chose épouvantable. Monsieur Lebowski s'est retiré dans l'aile ouest. Monsieur Lebowski. Quelle que soit leur puissance, les hommes aussi pleurent. Ce matin, j'ai reçu ce fax. Comme vous le voyez, c'est une demande de rançon.